Yo, what's up, YouTube? Copy, chop it, press it. Copy, lock it, sell it. Ce soir, il y a un lancement d'album. Puis il y a aussi le 6e anniversaire du show de radio Pole Hip Hop. Puis en même temps, l'animateur de Pole Hip Hop, DJ White Sox, lance son nouveau podcast qui s'appelle Mauvaise Langue. Donc je vais aller à ces deux événements-là, prendre des photos. Là, je suis encore chez moi en train d'être retardataire parce que Rap Politique ont décidé de faire un live. Fait que là, je suis en train de regarder le live de Rap Politique. Mais ça serait l'heure que je parte là. Je vais partir bientôt. Ok, so je viens d'arriver au lancement d'album de Colossal. Ça se passe à Hip Hop Music sur Saint-Denis. On dirait qu'il y a de la buée à l'intérieur. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Un homme de haute valeur. Écoute les haut-parleurs. Je suis un homme de haute valeur, intègre, honnête, je respecte, j'avais voleur, voilà. Ne joue plus de game, tout ce qui manque, c'est la reine, dans Kingdom, j'ai l'as pour le blackjack. Mariage au casino, durant la cérémonie, une dédicace, chantée par Céline Dion. Une femme indépendante de carrière, c'est primordial. Yeah. Mets tes bateaux dans les roues, mais le plan se déroule comme un tapis rouge. Chaque jour à genoux, finis les prières comme Alléluia. Payez mes dues, maintenant c'est fuck you, give me the loot. Plusieurs cordes à mon arc, player comme skip de ma loop. Tu rêves à ça, mon gars, you can't do what I do. J'ai fait le tour de la courage. J'ai tout donné ma vie d'adulte pour pouvoir faire de la musique, fallu du courage. Shit, des amitiés, relations amoureuses, activités diverses avec la famille, fallait dire adieu. Là j'ai compris que tu peux pas être mère poule avec le shit, you gotta let it go, man. Tu vois, c'est ça que je disais à ton boy JR. J'ai dit, yo, je comprends ton affaire. J'étais comme ça longtemps, perfectionniste. Non, non, il faut que ça... It will never be perfect. I know. What is? What is? C'est ça. What is perfect? Non, mais c'est ça. Parce que dans nos têtes, parce que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi son shit, c'est comme moi. Moi, Money, là, j'étais stock au début, ouais. J'ai tellement écouté de bons rappeurs en français, en anglais, je m'en souviens, que tout ce que j'écrivais, je me comparais à ces gars-là. Puis, évidemment, j'écrivais une ligne, deux lignes, c'était chill. Après deux lignes, j'étais stock pendant des mois. Parce que quoi, t'es stock sur them. Quand j'ai compris le yo, je peux pas être lui. Mais moi, j'ai quelque chose que eux, ils ont pas. Quand j'ai compris cette affaire-là, c'est là que c'est comme, ah, ok. Ici, parce que là, t'as plus de pression, parce que c'est toi, tu sais. Je voudrais remercier tout le monde d'être ici. Vous comprenez pas comment, like, yo, c'est important pour moi de voir des faces familières, des faces qui sont moins familières. Je veux dire, c'est le début, j'espère, de quelque chose de spécial. Est-ce que t'as fait toutes les beats sur ton album? Oui, oui, oui. 15 chansons écrites, produites, enregistrées et mixées par Colossal. Yo, je pensais être là comme 30 minutes, arriver, prendre des photos de tout le monde, être juste in and out. Mais finalement, il y avait open bar de rhum, il y avait des petites brochettes de poulet, il y avait du monde avec qui j'ai parlé. Puis finalement, je suis resté comme 2h30. Là, il est 11h, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au lancement du podcast Mauvaise Langue. J'espère que j'arrive pas trop en retard. Attends, tu rentres la pancarte? Comme une PlayStation, le temps c'est de l'argent, on gaspille notre temps, mais on veut rester jeune. En vieillissant, mon cœur devient froid, demain c'est loin, pas tellement, j'ai perdu des proches plein de fois. Et seulement c'est un cauchemar, vas-y pince-moi, m'en attendant mon tour, passe-moi le henny, j'ai bien soif. On débarque dans ta résoie, tu devrais appeler le soif. Pull up avec une cagoule, un cheveu pour couche, North Face. Je connais White Sox, il fait partie des gens qui m'ont initié au rap et qui m'ont donné envie d'en faire. White Sox est là depuis longtemps et j'admire le rassemblement d'humains qu'il a fait ce soir. C'est fucking impressionnant, multigénérationnel, multi-style et intérêt de rap. Il est en train de bâtir une communauté forte et pertinente. Qu'est-ce qui se passe avec HHQC, Sam? Est-ce que tu as des insides? Est-ce que Carlos va vendre? Il va engager un nouveau journaliste? Je sais pas. Mauvaise langue, comment je le décrirais? Mauvaise langue, c'est un podcast qui a pour objectif de mettre la lumière sur la musique avant toute chose. Il y a des gars, ils bossent leur ass à faire des albums pendant un an et demi, puis ça se peut pas qu'on les écoute pendant deux semaines et qu'on les oublie, tu sais. Fait que moi, je vais décortiquer ça avec eux. C'est un petit peu ça, man.
Yo. Good job. Ça, c'est mon micro. Mon grand-père était mannequin. Okay. Bonjour, ah ouais, bienvenue à Side Talk MTL. Je suis avec le producer reconnu intermondialement, Canuck. Je vais pas checker mon mic parce qu'il faut que je le fume. C'était quoi ta première machine que t'as fait du beat sur? Je n'allais pas tes moves aussi. MPC, Mercedes-Benz. Excel. Alright. Non, oui. Il a fait du beat sur Mercedes-Benz. Vous êtes les premiers à entendre Scoop of the Year. Qu'as-tu pensé de ta soirée de ce soir? J'ai adoré la soirée de ce soir. C'était incroyable. Pour de vrai, merci à White Sox. M'avoir invité, DJ White Sox. C'est vraiment nice. Inviter du monde jeune qui sont pas connus, qui sont juste là pour la culture, c'est nice. Non mais... Pourquoi as-tu choisi le nom Canuck? Le producer à la casquette. Alors, Canuck, pourquoi c'est Canuck? Parce que une fois on chillait, j'étais avec lui, puis j'avais un Canuck. Puis il a dit, tu devrais t'appeler Canuck. J'ai dit... Non mais... Alright. Non yo, riche dans la matrice live. Direct. Ça c'est filmé hein? Yo. Ok, yo j'ai un message. C'est légendaire ce qui se passe là. For real. J'ai un message pour les ranceurs man de Montréal man. Je vais y penser puis je vais... je connais ton visage man. Yeah. C'est rap politique patenais là. Yeah, ben, je suis impliqué dans plein d'affaires. Entre autres, là, ouais, non, c'est juste j'ai vu ta face dans ce. Ouais. Yeah. Mais j'avais fait une entrevue avec Dead Obies à Collation Volume 1 au Quai des Brumes. Aïe, pour vrai? Il y a 10 ans. Wow! Tu disais. Glitch! Tu disais, je sais plus c'est qui, mais quelqu'un t'avait tapé le micro, puis il avait comme égriné ta palette. Ouais, exact, j'ai perdu ma dent, là. Wow, c'est pour vrai! Trois fois dans la même année. Trois fois, genre 50. Sérieux? Wow, bro! Tu vois, ce genre de moment là, mais... ça s'est passé genre 50 fois ce c'est... soir. C'est incroyable, what the fuck. Villeray c'est petit man, Villeray. Le Ray mon gars. Villeray c'est petit mon yo, gars. Villeray se passe man. Yo, il s'en passe des choses là.